Pourquoi t'as vendu ton âme? Pourquoi pas? Elle a un prix, ton âme? Une âme humaine, ça a un prix? Bon, prochaine question. Non, mais c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Je sais, non, mais après, enfin, je pense que oui, d'une part, je l'ai vendue. Comment on vend son âme? Ah, ça, je pourrais pas t'en parler. Mais on la vend à une entité, on la vend à une Je pourrais pas t'en présence. parler, vraiment, je répondrai pas, donc Est-ce que tu tu, pourras. mais est-ce que tu peux pas en parler parce qu'il ne faut pas que t'en parles, ça fait partie du contrat? En tout cas, oui, je sais que je. Enfin, je préfère pas trop donner de détails. Donc ça veut dire que tout ce que tu as vu par la suite, les histoires avec Carla Moreau, les Marseillais, la sorcellerie, Danaé, etc., ça t'a pas étonné? Non, pas du tout. Non. Je suis pas surprise. Mais en plus, je t'en parlais à l'époque. Je te disais que tout le monde était un peu dedans. Donc, mais après, moi, je dis pas que j'ai fait vraiment de la sorcellerie. J'ai pas fait de sorcellerie. Genre, j'ai pas consulté des sorcières pour percer. Mais en tout cas, je pense que d'une part, j'ai un peu vendu mon âme. Et tu penses que tu dois ta célébrité parce que tu as vendu ton âme ou parce que tu as fait Mais en tout cas, des je pense conneries que c'est sur quand les même réseaux? grâce surtout à mon alter ego, qui est Raka. Mais ton alter ego, c'est un démon que t'appelais. Bah, je pense que c'est un peu ce personnage finalement, parce que tu parlais de personnage, donc j'ai un peu une part de personnage, et c'est Raka qui prend quand même le dessus en fait. Des fois, il y a des moments où je suis même plus moi-même. C'est-à-dire que tu sous-entends qu'il y a... Surtout au studio, quand j'enregistre et quand j'écris mes sons, parce que moi j'ai commencé par la musique, et de base, ouais, surtout quand j'écris mes sons, je ne suis plus moi-même, c'est même plus moi qui écris. C'est-à-dire tu sens que tu n'es Je plus sens que Rumi. je perds le contrôle C'est-à-dire de mon. il y a quelqu'un d'autre en toi? Oui, quelqu'un qui switch avec moi en fait. Donc c'est une possession. Comme une sorte de possession, Et tu sens que quelqu'un rentre dans ton corps. ouais. Exactement. Ça te fait pas peur?